Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un pronostiqueur dans le e-sport. Vous avez été beaucoup à me demander si je connaissais un pronostiqueur dans les jeux vidéo et la réponse est oui. Et ce pronostiqueur en question, mesdames et messieurs, c'est tout simplement BenCSGO. Son Snapchat s'affiche en haut, n'hésitez pas à le rajouter. La particularité de ce pronostiqueur, c'est qu'il fait beaucoup de paris sur CSGO, d'où son nom. Et c'est entièrement gratuit, donc profitez-en. Même si tu comprends rien, tu peux quand même miser. La seule chose que tu as à faire, c'est de le rajouter. Et je vais te montrer en direct comment il faut faire pour faire partie de son VIP gratuitement. Donc voilà les amis, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur Telegram, de rajouter BenCSGO et d'appuyer sur Start. Une fois que vous appuyez sur Start, il y a plusieurs icônes. Vous appuyez sur Devenir VIP. Et là, tout ce que vous avez à faire pour être VIP, c'est entièrement gratuit comme c'est écrit. Et il y a juste à s'inscrire sur le site qu'il y a en dessous. Donc c'est très très simple, je l'ai fait. Il ne faut pas plus de 30 secondes. Donc si vous aimez les jeux vidéo et les paris sportifs, n'hésitez pas à rajouter le frérot sur Snapchat et sur Telegram. Tous les liens sont en description. Et n'oubliez pas qu'il faut être majeur pour faire des paris sportifs, même si ce sont des jeux vidéo. Ciao et bonne vidéo à tous. A plus. Je suis bel et bien enfermé, voilà. Que je suis dans une merde pas possible. Et que j'essaierai de vous filmer un peu tous les jours. Là, je prends d'énormes risques. Je prends beaucoup de risques en faisant venir un téléphone ici. Bon, les gars, salut à tous. Regardez, aujourd'hui, il y a le co-détenu qui est arrivé, qui vient d'arriver. Quand on reste informé, tu as fait maintenant 4 millions d'euros, mon frère. On est parti pour faire un bon bout de chemin ensemble. Hein, frérot, je pense que, ouais. Je pense qu'on va forcer des mutuellement. Bon les gars, aujourd'hui toujours avec le co, il est là. J'attends la venue du surveillant qui doit venir me voir par rapport à l'incident qu'il y a eu, que vous avez pu voir en vidéo, je suppose. Et voilà, j'attends tout simplement. Pourquoi? Parce que, par contre, c'est le bordel, frérot. Il va falloir ranger, là. Oui, voilà. Ça, c'est Kader. Ça, c'est le bordel du frérot, ça. Tu es fier de toi, vous? Non, en fait, ça, jamais ça chez vous, les gars. Voilà. Bref, donc, on attend la venue du surveillant. Et aujourd'hui, je vais savoir, enfin, si ils vont pouvoir me changer de cellule et me mettre ailleurs. Parce que là, je peux pas aller en promenade, c'est impossible. Je peux être Rambo, qui vous voulez, les gars. Je peux même prendre des coups de couteau pour une vidéo. Hein. Donc on va attendre. Et s'il vient, je filmerai en discret pour que vous puissiez voir la scène. Et ce qu'il m'a dit. Voilà. J'ai mis le téléphone à filmer. Comme ça, quand il arrive, ça filme. Mais pourquoi tu veux le téléphone? Sinon, il n'y aura pas, j'ai mis le rapport sur le point. Donc là, les gars, je vous explique. J'ai mis le téléphone à filmer maintenant. Comme ça, dès qu'il arrive, ça filme déjà. J'ai mis un petit drap par-dessus. Voilà, il y a un drap par-dessus le téléphone, donc c'est bien caché, vous inquiétez pas. S'il vient pas fouiller, il n'y a pas de problème. Ils ont fait la foule encore. Tiens, parce que je suis pas venu hier. Merci, quand j'ai vu, pas de soucis. Merci à toi. Ouais, écoute, j'ai déjà essayé de voir. J'ai déjà vérité et on va laisser traîner. Ouais. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que
Je vais fermer la porte. Je vais éviter de laisser. Ouais, moi, s'il te plaît, moi, ça, tu vois que moi, tu peux s'en te présenter sur son oreille, tu vas venir cingler. Tu vas venir cingler. Attends 2 minutes. Je vais pas voir, je vais pas voir. Bon, écoute, je parle avec le directeur et tu risques. Demande, on risque de prendre du temps. Ouais, et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que. Tu as dit une bonne ou mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ton avocate, ouais, elle a fait le nécessaire, mais moi je vais bientôt sortir. Allez. Ouais. T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Quand, je sais pas. Jusqu'à quand? Je sais pas. Ça veut dire que là, encore, il faut que je protège. Pourquoi? Mais non, mais si je sors bientôt, c'est bon, je vais dehors. Pour le moment. Je reste en cellule. Si, bientôt je sors. Non, on commence à faire les couches, je reste en cellule. Mais le truc, c'est que si tu veux, je. Ouais, mais si d'un coup, quelqu'un d'autre, par exemple, si c'est le collègue, te demande à toi, par exemple, de venir ouvrir la porte parce qu'il peut avoir de l'argent, comment faire? Bon, est-ce que tu es sûr qu'il va demander si c'est tes oreilles? C'est ça que je veux savoir, tu dis la vérité. Non, mais tu vois, mais c'est pour ça que je. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que je peux faire un échange de carbone. Je dis la vérité, si c'est pas moi qui ouvre, ça sera forcément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, tu vois. Mais moi, je te dis, on garde, mais si c'est. Moi, je te dis. Cadet, je te transmets ton cerveau. Je te transmets ça. Je veux pas, jusqu'à temps que ça sortit, que la porte soit ouverte. Je te dis, moi je fais de base mon travail. Mon travail, moi, c'est juste pour faire la sécurité et une hygiène. Tranquille. Pas de problème, tout se passe bien. Malheureusement, depuis qu'il est rentré, tout le monde a envie de le défendre. J'ai rien fait. Alors je J'ai des gens toute la vie, moi. Mais quand c'est des rappeurs, c'est des rappeurs qui rentrent. Là, je reviens, j'ai pas le contrôle. Tu vois le délire? Ouais. Donc je te dis une chose, accroche-toi le temps que tu sors. Tu sais pas quand, t'as pas donné de date? Elle m'a dit juste qu'elle fait le nécessaire. Bon, t'inquiète-toi, moi, de toute façon, moi, je suis passé le contrat. Il y a le papier de sortie et tout. Moi, on en a parlé, c'est le directeur qui m'en a parlé. Oui. Mais il m'a pas dit le papier. Ah, François, je sais que t'as pas le droit. Mais t'as vu pour moi. S'il te plaît, dis-moi juste la date. Je sais que tu la connais. Tu m'as dit, je sortais bientôt si tu connais la date. C'est quand je sors? Sors le 8. Le 8 là? Bon, allez, c'est moi. Si c'est moi, je voulais dire, c'est moi, je le savais. J'ai vu que t'avais des collègues, on m'a dit, bon, je suis chaud, reste entre nous. Mais je suis là, moi, j'avais vu que t'as ça. T'as verré des mandats. Moi je te le dis. Coupe bien, c'est tout. Comme tu veux, je m'en fous. Le sang, bon, regardez les gars. Je vais le protéger jusqu'au 8. Je t'envoie des mandats ou pas? Comme tu veux, je m'en fous des mandats. T'inquiète. Les gars, n'oubliez pas le cadet, hein. Quand tu vas sortir, allez le faire en masse, hein. Parce que. Cadet. Il y en a fait du chemin, hein. Moi j'ai un cadeau pour toi. Dès que je pars, je te laisse le téléphone. C'est bon? Quoi, on se mange le McDo ou pas? Bah, si tu veux, vas-y. Vas-y. Il a tous laissé nous ramener le petit coca, tu veux de la mienne? Qu'est-ce qu'il a mis là? Ça va, c'est cool, André. C'est quoi? Bon, il est froid. Hein. On va le faire réchauffer sur la plaque? Non. Ouais. Il va cramer sur la plaque, frère. Kader, le McDo, bien mérité, frérot. Vraiment, ouais. Bien mérité, heureusement, il y a Kader, les gars. Bon appétit, le sang. Ouais. C'est pour toi. Cadeau de la maison. Non, non, non. Quoi, je prends une cigarette, ça? Vas-y, prends le son. Les gars, bon appétit. Bon, les gars, comme vous avez pu l'apercevoir, le 8, je suis dehors, d'accord? Le 8, je suis dehors, et vous savez quoi? Pour fêter ma sortie, les gars, vu que le 8, je suis dehors, le 9 août 2020,
rendez-vous. On se donne rendez-vous, je fais une rencontre abonnée le 9 août 2020 pour fêter la sortie, c'est-à-dire le lendemain de ma sortie. Le lendemain, les gars, je viens. Parce qu'apparemment, s'ils ne me l'auraient pas dit, c'était pas sûr. Donc, regardez, c'est simple. On fait les choses vite, simple. Il est bon le burger, frérot ? Les gars, on fait les choses simples. Le 8, je suis dehors. Le 9, vous voulez me voir. Je fais une rencontre spéciale abonnée à l'adresse indiquée ci-dessous. Ça veut dire que vous avez un petit moment pour vous organiser. Demandez à vos parents si vous voulez venir me voir. Ou si même vous qui regardez cette vidéo, vous voulez venir, vous venez. Il y a l'adresse en dessous et il y aura l'heure aussi. Le monteur, il va s'en occuper. Moi, je suis au courant de rien. Je suis en prison. Je peux pas savoir. Mais une chose est sûre, les gars, c'est que si le 8, je sors, le 9, on se voit. Bonne vidéo et bonne soirée à tous. Ciao. Peace. Oh, c'est la bombe, c'est libéral, le sang.